Fait que ces jeunes qui ne trouvent pas de travail peuvent fonder plus facilement. Il n'y a pas d'excuse à cela, c'est pas automatique, bien évidemment. On n'est pas sarkozyste, nous on sait analyser les êtres. Mais c'est cela qui fait que moins on a de travail, plus on a de difficultés dans la vie, plus il y a de chômage, moins on a de formation, c'est difficile. Et plus, c'est pas d'excuse, hein. Je ne suis pas dans la politique de l'excuse, vous me connaissez. Mais plus il faut le comprendre, par contre, plus on a de chances de sombrer dans la délinquance. Et donc, c'est dès l'école que l'effort doit être fait. Alors, la différence en matière de prévention, Sarkozy, c'est le tout répressif, ça vous l'avez compris, lui, il veut mettre 3 milliards dans les prisons. Il veut créer 30 000 places de prison. Et il veut mettre 3 milliards dedans. 3 milliards, c'est de la monnaie de singe, hein, parce que vu ce qu'il va nous laisser, il faudrait les trouver, les 3 milliards. Non, ben, c'est ce qu'il annonce, de toute façon, il annonce des milliards tous les jours. La semaine dernière, il était en Corse, 1 milliard. Moi, je lui dis, à Nicolas Sarkozy, venez ici. Alors, peut-être on en aura deux, nous, hein, pour nos collectivités. Moi, je préfère, nous préférons, François Hollande préfère, qu'on les mette justement dans l'éducation, dans la prévention, avec les éducateurs, pour aider, pour encadrer ces jeunes, pour leur donner une perspective, et surtout pour rétablir l'égalité des chances, pour rétablir, c'est un devoir de la République, pour rétablir l'égalité des chances. Et puis, puisqu'on commence par la prévention, on n'a pas de honte à le dire, tout commence par là, parce que le flux, il vient de là, et donc il faut qu'il y ait cette politique de